Bonjour Christophe, bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour. Voilà Christophe, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchanté. Et puis, on t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, nous t'écoutons. Alors, je vais commencer par la partie physique. Alors, Ouais. j'ai des glaires qui me tombent dans la gorge depuis très longtemps, depuis des années. J'avais une opération des sinus de la face en 2006, mais bon, plutôt pour un problème de ronflement, mais en tout cas, ça n'a rien changé, ça fait très longtemps. Donc, c'est toute la journée quasiment, voilà, je me racle la gorge et voilà, il n'y a rien à y faire. Plus également la narine droite, hein, qui se bouche assez souvent la nuit. Donc, ça, c'est quand même assez ouais, important, conséquent. Ensuite, au niveau des douleurs, c'est le dos, le taux musculaire, les lombaires. Ça, c'est un peu chronique. J'arrive à le gérer avec des étirements et autres. Hein. Je fais un peu de sport, mais bon, c'est quand même assez chronique. Et ensuite, pour finir avec sa partie physique, un souci hémorroïdaire. Là aussi, c'est un peu pareil, c'est un peu chronique. C'est pas trop dérangeant, mais c'est tout le temps là, plus ou moins par période. Et voilà, là aussi, je sais pas trop comment faire pour m'en débarrasser. D'accord. Ensuite, la partie que j'appelle bon, tout ce qui est nerveux, émotionnel, etc. Alors ça, je l'avais pas mis dans mes premiers points. Au niveau du sommeil, là, c'est pareil, ça a toujours été un peu comme ça. Par période, le sommeil, c'est pas terrible, et c'est surtout ces derniers temps l'endormissement, un problème d'endormissement. Ensuite, quand je dors, ça va, mais c'est l'endormissement et voilà. Ça, c'est Tu veux dire que c'est t'as des difficultés à t'endormir, c'est ça? oui, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Même en Et quand étant tu te réveilles, fatigué. tu es plutôt quand tu te réveilles, t'es plutôt fatigué ou en forme? Bah, là aussi, ça dépend des jours, mais globalement, quand même, je sens soit je suis fatigué, effectivement, soit je sens que il n'y a pas trop de fatigue, mais qu'il me manque quand même, T'as pas du assez sommeil dormi. de qualité, surtout, je D'accord. pense. D'accord. Ok. Après, l'autre point un peu général dans cette partie-là, c'est, bon, je suis hypersensible, hyper émotif, mais il y a une espèce de. C'est surtout au niveau émotionnel. Je peux avoir tendance quand même à me faire perturber assez facilement. C'est voilà, par rapport à mon métier notamment, c'est un peu pas une difficulté, mais bon, je dois apprendre à le gérer. Enfin, avec un mental qui est encore un peu trop présent aussi. Donc, je veux pas dire de l'angoisse ou de l'anxiété, mais je suis quand même, on va dire, plutôt une âme tourmentée. À la base. D'accord, mais comment ça se traduit ça dans ton quotidien ou... Ben, ça va être que je peux, même si c'est de moins en moins, mais je peux encore me laisser perturber par l'extérieur et par ou prendre un peu, bien que je me protège quand même beaucoup, mais au niveau émotionnel, voilà. Ce que je veux dire. Donc je vais, ça, je vais me laisser polluer, je vais être perturbé. Parfois, ça peut partir un peu trop loin et j'arrive à m'en débarrasser plus facilement qu'avant, plus rapidement. Mais malgré tout, c'est encore un peu là. Et D'accord, tu veux c'est dire quoi? Que tu es un petit peu comme une éponge et que tu reçois les oui, c'est émotions de ça. l'autre, ou c'est C'est ça? ça, oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, je me protège, hein, D'accord. mais oui, je suis un empathe, un hypersensible et un hyper émotif. Hein, mais pour moi, c'est encore trop présent. Bien que ce soit quand même plus lisse qu'avant, plus stable, et que j'arrive à évacuer plus facilement, mais voilà. Mais à la limite, c'est vraiment le sommeil là aussi, pour ce point. Okay. D'accord. Ensuite, alors j'ai une autre rubrique, on va dire, tout ce qui est voilà, par rapport à mon professionnel, à mon métier. Bah en fait, ben, j'ai des
les facultés, hein, des claires capacités et autres. Et mais j'aimerais vraiment être pour pouvoir utiliser à mon plein potentiel en fait toutes mes facultés sans qu'il y ait d'interférence ou quoi que ce soit. Si tu veux, c'est le but du travail, ça, en fait. Hein, voilà, c'est pas un point. Si tu as compris la nature de ce que nous proposons, c'est le but, hein, se délivrer, développer les capacités internes, etc. Quoi. Donc, voilà, c'est ça. J'ai un petit peu de clairvoyance, moi j'ai du clair ressenti surtout. Mais j'ai l'impression voilà, qu'il y a quelque chose qui me limite. Enfin, oui. Quand tu parles de clair ressenti, tu as fait des stages ou des formations dans le clair ressenti ou... Oui, j'ai fait... Sans citer de nom, hein. Tu ne cites pas de nom, d'accord. Principalement un stage où j'ai appris à me servir de ce que j'appelle mes mains astrales, en envoyant mes mains voilà, ça, sur à distance, on va dire. D'accord. Oui, c'est... Okay. Apparemment, ça, chez moi, c'est quelque chose qui est bien développé par rapport à d'autres claires capacités, peut-être, que je devrais... Bon, qui sont peut-être un petit peu entravées, limitées, je ne sais pas. D'accord. Alors, autre point. Après, bon bah le si non ça c'est pas un point parce que j'ai déjà la réponse. Mais par rapport pour finir, bah, ça va être tout ce qui est, je pense plus au niveau personnel, une histoire de polarité masculin-féminin. Je pense que là aussi il y a un déséquilibre parce que ça se voit même sur mon corps physique. Il y a une différence entre la partie droite et la partie gauche. Même au niveau oui, purement musculaire, hein, purement physique, il y a un déséquilibre là entre les deux. Un masculin. Qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce qui se voit en fait ? Bah, c'est le féminin qui est plus développé que le masculin, a priori. Ça se traduit. Ça se traduit comment ? Parce que là, tu n'as rien de féminin, par exemple, tu vois, physiquement. Oui, non, c'est vrai. Ça se traduit. Alors, qu'est-ce que tu entends par là ? Bah, peut-être plutôt au niveau de ma. Enfin, bon, il y a peut-être mon niveau de mon caractère, de mon comportement, ma manière d'être, en fait. Après, physiquement, c'est un détail, hein, c'est vraiment la partie, un détail physique au niveau de mes jambes. Moi, la jambe gauche qui est légèrement moins musclée que la jambe droite. Même une ostéopathe m'a fait la réflexion une fois. Enfin, c'est très léger, même. Et puis, quand il y a un souci, c'est toujours de mon côté droit, côté masculin. Quand il y a un problème quelconque. Bon, voilà, c'est pas. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un petit au niveau de ces polarités, quelque chose à faire. Et puis, oui, voilà, c'est à peu près tout. Bah, après, ça va être, mais ça, je sais que c'est fait dans le travail sur la globalité, tout ce qui peut être karma, mémoire, etc., dans le sens du nettoyage. Autrement. Après, il y a un ou deux projets un petit peu bloqués. Bon, projet d'écriture. Alors, écriture, j'ai un projet d'écriture de roman. Mais c'est vrai que ça, c'est complètement bloqué depuis des mois et des mois. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, déménagement, bon, ça, c'est autre chose. Quand j'y mettrai de l'énergie, peut-être qu'il se passera quelque chose. Bon, voilà. Je regarde ce que j'avais mis. Oui, c'est à peu près tout. En gros, voilà, c'est... par rapport après, à... sur le plan... sur le plan amoureux, tout ça, enfin, tout... Oui, bah, c'est ce que... Alors, bah, juste... Enfin, bon, je sais que vous ne faites pas de la voyance. Après, voilà, au niveau personnel, il y a aussi cette... C'est pas un projet, évidemment, mais cette question en suspens, on m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un cette année, dans quelques mois. Ça, on te dira pas des choses pareilles. Voilà, ouais, je sais, c'est pour ça, c'est une parenthèse. Par contre, les choses peuvent se débloquer pour qu'effectivement, l'énergie circule et que les synchronicités aient lieu, tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Et voilà, hein, c'est ça. Le but, c'est pas de dire ce qui va se passer, c'est te dire comment, quelle attitude est nécessaire pour que les choses se passent. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y a à débloquer ? C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça. C'est comme tout est lié. Enfin, c'est un tout, donc je pense que c'est des choses qui... Ouais. Tout à fait. Tout est un résultat de la conscience. Hein. Donc, si tu as la conscience nécessaire, si tu as l'énergie nécessaire, si tu as les convictions nécessaires, les choses se font, quoi.
il n'y a plus qu'à décider, et puis, tu vois. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Et dernière toute petite chose sur le plan perso. Alors, étant donné que je suis séparé, bon, c'est une question qui reste en suspens, bien que pour moi, ça, je pense que tout va bien, mais par rapport à mes enfants, voilà, mes enfants et mon ex-compagne, si, là aussi, si tout est bien clean, hein, qu'il n'y a pas trop de. Voilà, il y a des choses encore Mais qui. Des liens c'est quoi ta toxiques, des question? choses. C'est quoi Bah, ta question par rapport notamment. aux enfants? Alors, à la limite, c'est peut-être plus par rapport à mon ex-compagne, enfin, la mère de mes enfants. Est-ce qu'il y aurait encore un, ça aussi, je pense, c'est par rapport au nettoyage à faire, un lien plus ou moins, pas toxique, mais Bon, pas, les liens, de pas toute façon, forcément on les coupe positif, quoi, tous, mais hein. tout ça, De toute toujours façon, tous les liens toxiques sont faits d'office, hein. là. Hein? Ouais. Après, Bon, si t'as voilà. pas un problème particulier, bon. Non. Ça, globalement, ça se passe plutôt bien. Donc je ne vais pas me plaindre. Voilà, ok. Donc les liens toxiques, ça fait partie du protocole, donc c'est même pas une question en fait. Hein. Si tu as l'habitude de voir notre travail, tu vois que c'est pas oublié, hein, Tout à fait, normalement. oui. Ok. Quand tu me disais par rapport à ta polarité masculin-féminin, enfin sans être indiscret ni dans le jugement, dans ta sexualité, tu. Non, je bah voilà, non, enfin je suis hétérosexuel, enfin voilà, hein, D'accord, ok. et bon, c'est pas, je sais pas, c'est plutôt peut-être plus sur des plans un peu plus subtils. Ok. En tout cas, ce que tu as constaté, c'est que au niveau polarité droite-gauche, il y a un déséquilibre. Toi, tu Ouais. penses que c'est le féminin, le masculin. Peut-être qu'on verra autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Tout à Ah, fait, oui, c'est peut-être autre ça, c'est chose. des conclusions. Donc voilà. Ok. Exactement, oui. Ok. Bien. Au niveau de tes questions, c'est bon pour toi? C'est bon, hein, c'est bon. Après, il y avait au niveau des invités, mais ça, je pense qu'on Voilà, verra c'est après, ça, j'allais y venir. Alors, peut-être. qui invite-t-on alors? Alors, je voudrais inviter. Alors, on va parler des amis de cœur, hein, comme expression que. Ouais. On Avec commence par la notamment. famille, peut-être, non? Peut-être Ou tes la. enfants, Oui, éventuellement? exactement. Oui. Bon, Mes donc enfants, tes mes filles. enfants, leur mère, non? Leur mère également, oui, tout à fait. Et puis, bah ensuite, mes parents. Ils sont encore de ce monde? Oui. D'accord. Ma sœur. Mmh. Ma sœur et sa famille, d'ailleurs, si c'est possible. Ben oui, bien sûr. Et puis après, donc, bah après, donc les amis. D'abord, famille en général ou ça se résume à ça, ta famille? Ah ben si on peut faire famille en général, oui, c'est bien. Ben oui. Okay. Après, bien qui veut, si tu veux, tu vois. Tu lances l'invitation, après, bien qui veut. Voilà, famille en général. Ensuite, donc les amis de cœur. Voilà, avec notamment, allez, je vais l'appeler mon frère d'âme, hein, il va se reconnaître. Voilà, mon meilleur ami. Donc, frère d'âme, d'accord. Voilà, vous. D'accord. Alors, au niveau des désincarnés, qui veux-tu inviter? Tu peux en choisir deux. Deux. Alors, il y aurait ma grand-mère, en fait, mes deux grand-mères, hein, maternelles et paternelles. Et pater. D'accord. Bon. Eh ben, si c'est bon pour toi, on part pour l'aventure. Ça marche. Je te laisse couper le son et on y va. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse l'augmenter. 31 200. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Ok, je m'aligne sur toi, bien sûr. Ah bon? À présent, connecte-toi sur Christophe et dis-moi comment tu le perçois. Il y a quelque chose de rugueux, hein, comme une sorte de peau rugueuse, grise, légèrement piquante. Donc, il y a comme des sortes de piquants un peu rugueux.
Ça ressemble à quelque chose comme la peau d'un crapaud ou quelque chose comme ça. Mais l'entité qu'il y a derrière est beaucoup plus grande que cet animal-là et ça n'a rien à voir. Ça ressemble plutôt à une sorte de varan, mais qui se tient debout et en arrière-plan de lui. Et cette chose-là, cette entité-là, elle a ses pattes posées sur lui. Elle a Oui. ses pattes posées au niveau de la gorge. Et il est saisi, en fait, solidement au niveau de la gorge et au niveau du bas du dos pour pouvoir le soulever et le déplacer, comme nous, on pourrait déplacer facilement en le saisissant de cette façon-là, un petit animal domestique. Il est grand, cet être-là. Il a, je sais pas, quelque chose comme 2,50 m, 3 m de haut. Mais sa taille n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'il peut être soit plus grand, soit plus petit. C'est à géométrie variable. Il peut être plus ou moins dense aussi, plus ou moins visible. Il peut élever sa densité jusqu'à être quasiment imperceptible et invisible. Et à ce moment-là, il y a uniquement ces deux points d'accroche qui sont perceptibles. Il considère l'humain comme étant à lui, c'est sa proie, tout comme on considère un animal domestique comme nous appartenant. Il a besoin d'une. C'est comme si cet être-là avait toujours besoin d'un humain pour l'accompagner, D'accord. d'une énergie humaine ça le stabilise. Ça le stabilise. C'est comme une sorte d'ancrage dont il a besoin en 3D, donc représenté par l'humain, et qui permet à cet être-là de contrôler ses changements de dimension, de se stabiliser, de rester en sécurité à la limite de la 3D et de la 4D. Et quand il se dématérialise, en tout cas quand il devient beaucoup plus léger, il y a quand même comme ce fil-là, ce point d'accroche qui reste ancré à la 3D. Ça lui évite d'être emporté par des flux énergétiques puissants. C'est comme une sorte de garde-fou, de sécurité, de point d'ancrage. C'est une plateforme quoi pour lui, Oui, c'est à ça. partir de laquelle il peut s'appuyer et changer de dimension sans s'y Oui. perdre, c'est ça? Oui. Ok. Donc il est toujours là, quelquefois il flotte, même quelquefois il est au-dessus. Ça fait comme deux fils, même trois, parce il y a un troisième fil, mais qui est plus fin et qui est rattaché au niveau du chakra racine. Parce que quand il devient beaucoup plus léger et presque imperceptible, on perçoit juste les points d'accroche et c'est relié à lui comme des sortes de fils semi-transparents. Alors, il se sert de Christophe comme point d'ancrage uniquement, ou est-ce qu'il prend de l'énergie, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons? Il lui prend de l'énergie par son chakra racine. Ça pour l'obliger, alors non pas pour se nourrir, mais pour l'obliger à rester là, à sa disposition. Qu'est-ce que ça crée comme problème à Christophe? Ça l'empêche d'avoir un ancrage terre-ciel, correct, tranquille et serein. Ça le maintient toujours dans une sorte d'insécurité parce qu'il y a comme une vibration, ou en tout cas un déséquilibre, dans le déploiement de ses corps subtils.
Donc ça le maintient dans une sorte d'insécurité, et sur le plan mental et sur le plan émotionnel. L'élémental du corps, lui, est toujours en train de compenser ses points d'accroche. Mais comme ces points d'accroche ne sont pas toujours là en permanence et quelquefois ils peuvent se montrer presque imperceptibles, c'est finalement relativement facile de compenser pour le corps physique. C'est plus le corps vital qui va ressentir que quelque chose ne va pas et qui vibre de façon légèrement décalée et dissonante. D'accord. Donc ces deux pattes posées sur la gorge et le bas du dos, qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Ça vient impacter jusque dans la partie physique. Ce sont les endroits où il y a des ressentis de gêne et ou de douleur sur la partie physique. Les autres ressentis, c'est beaucoup plus flou, puisque, encore une fois, cette entité-là n'est pas toujours aussi prégnante et pesante. Quelquefois, elle est donc quasiment imperceptible. Mais sa sphère énergétique est instable. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait toujours qu'il fasse un effort ou une mise en condition pour équilibrer ses énergies et équilibrer ses corps subtils. En compensation constante, quoi, c'est ça? C'est ça. Donc ça vient limiter ses propres connexions parce que ça. Il se limite lui-même par sécurité à ses propres accès, à sa puissance intérieure, pour bloquer l'accès à cette entité-là. C'est-à-dire que, il se sert de sa physicalité pour faire barrage à cette entité et ne donner prise qu'au minimum. Mais en donnant prise au minimum à cette entité-là, d'un point de vue énergétique, par conséquence, il se bloque aussi lui-même l'accès à ses propres capacités. Tu vois d'autres choses? Non, pour l'instant, c'est tout, mis à part ces déséquilibres dans sa sphère énergétique, déséquilibre entre le côté droit, le côté gauche. Et les corps subtils repliés. Il y a comme une séparation entre le cerveau droit et le cerveau gauche, mais qui a été établie par lui, je veux dire pas De par quelle manière? l'entité, par Christophe lui-même, pour justement Ah bon. cloisonner. C'est comme une sorte de L'accès. mur énergétique, de porte fermée, qui laisse quand même passer des informations, mais limité, c'est pour justement ne pas donner libre accès à l'entièreté de son espace énergétique. Donc, duquel Il côté il a le plus accès, alors à droite ou à gauche? s'est cloisonné lui-même, limité lui-même. Il n'y a pas un côté plus que l'autre, c'est quelquefois l'un, quelquefois l'autre. Et c'est en déséquilibre, c'est pour brouiller les pistes. Seulement en voulant brouiller les pistes pour cette entité-là, il se brouille aussi les pistes pour lui-même. Donc ça vient créer une sorte de brouillage et sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Ça vient Okay. gérer une sorte, ça vient créer une sorte de déséquilibre. Il y a une culpabilité aussi qui est là en arrière-plan et qui est générée par cette situation-là. D'accord. C'est comme s'il y avait une culpabilité aussi même envers lui-même, de trahison envers lui-même, comme si la partie physique avait cette sensation d'avoir trahi ses parties supérieures. Alors souvent, on peut rencontrer l'inverse, que c'est la partie physique qui a la sensation d'avoir été trahie par les parties supérieures, mais là, c'est l'inverse. C'est la partie physique qui se sent en position de trahison. Par rapport à ces parties supérieures qui avaient, on va dire, d'autres plans pour l'incarnation.
ou en tout cas quelque chose de beaucoup plus. Ces parties supérieures avaient une vision et un projet d'incarnation plus ample, plus déployé et plus serein. Et la partie physique, elle, se restreint. Et donc, il y a cette sensation de trahison et donc de culpabilité. Mais en même temps, c'est pour pouvoir se protéger de l'interférence. Mmh. Donc, il ne se dévoile jamais complètement. C'est toujours des portions de lui-même qui sont montrées. Alors, non seulement par rapport à l'entité, mais aussi par voie de conséquence, c'est par rapport aux autres humains. Il ne se dévoile jamais complètement. D'accord. Pour l'instant, c'est... Bien. Alors, on va voir depuis quand est-ce que cette entité est avec elle, avec lui, pardon. Donc, je compte à 3 et tu vas la toute première fois. 1, 2, 3. Depuis 5 incarnations. Ça a même commencé à celle d'avant encore, à la 6e. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors, de quelle manière ? Dans la première, il n'y a pas eu... Il s'est montré silencieux et invisible, mais il était là quand même. Donc, il l'avait seulement repéré, c'est ça que tu veux dire ? Oui. Il n'était pas entré en contact avec lui ? Il s'était placé derrière lui, mais de façon indécelable. D'accord. En guettant le moment d'accroche, comme un chasseur qui guette sa proie et qui l'observe à proximité, mais en restant invisible. Alors, à quel moment a eu lieu ce point d'accroche, alors ? Au moment de la désincarnation. Mmh. Quand il y a eu ce moment de la décorporation, où il n'a pas su dans quel... Il y a une sorte de flottement, d'hésitation, ne pas savoir dans quelle direction... se diriger. Donc c'est l'opportunité, ce moment d'opportunité qu'a saisi l'entité pour se présenter à lui, comme une sorte de guide. Il l'a vu de quelle manière ? À quoi est-ce qu'il ressemblait ? Une sorte d'ange brillant. La forme est vaguement humanoïde, mais il n'en perçoit pas les contours, puisqu'il y a, cette sorte de lumière vive et aveuglante. Ok. Bien, et qu'est-ce qui se passe alors ? Donc, il se présente à lui, et bien sûr, il donne son consentement ? Oui. Et ensuite ? Il accepte l'aide de guidance proposée dans ces labyrinthes de l'astral. C'est ensuite l'entité qui l'a dirigé vers les incarnations suivantes. Et qui, au fur et à mesure, a assuré ses accroches de plus en plus fermes. Il est de plus en plus... présent au fur et à mesure. Mmh, d'accord. Il lui aspire en même temps des informations de la densité 3D. Donc au fur et à mesure, on va dire du temps passé avec lui, des incarnations passées avec lui, il apparaît de plus en plus. Ça lui permet de se rapprocher du plan 3D et donc il est plus visible maintenant. Bien. Je suppose qu'il prend connaissance de ces informations, il se rend compte de la supercherie, de comment il s'est fait avoir. Oui. Très bien. Cette hésitation, ne pas savoir quelle direction prendre, c'est un caractère qui est prédominant chez lui, avant même cet événement ou pas ? Puisque c'est ce qui a permis l'accroche de cette entité. Oui, il y avait... À chaque cycle
d'incarnation, il y avait toujours l'hésitation sur vers laquelle se diriger, vers quelle incarnation se diriger. Parce qu'en arrière-plan, il y avait cette intuition de quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas correct, quelque chose tourne, alors que ça devrait aller en droite ligne. Et tu sais, comme quand tu marches dans la forêt sans boussole et que tu penses aller en droite ligne, et au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu es revenu au point de départ. Donc, à chaque retour au point de départ, avant, on va dire, de s'engager sur une nouvelle incarnation, il y a une hésitation sur quelle direction prendre. D'accord. Combien est-ce qu'il y a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? Dans cette boucle-là, 32. 32 vies humaines. Bien. Alors, on va aller voir avant qu'il entre dans cette matrice artificielle. Je veux savoir sous quelle forme et d'où il vient. 1, 2, 3. Il y a quelque chose de planant dans son énergie. C'est une sorte d'oiseau. Alors, le corps est humanoïde, mais la tête, c'est comme la tête d'un oiseau, et il y a des grandes ailes déployées, bleutées, irisées. Quel genre d'oiseau? Rapace ou autre? La tête d'oiseau, c'est plutôt comme une tête d'aigle. Ça ressemble à ça. D'accord. Mais avec le bec plus petit. Parce que, on va dire, la tête, c'est comme une sorte de mélange entre une tête humaine et une tête d'oiseau. Mais malgré tout, ça reste harmonieux, bien que ça puisse paraître un peu étrange, la description, mais c'est harmonieux. D'accord. Et il est où, là? Il est dans une bulle. Dans une bulle. Une bulle irisée, comme une bulle de savon. Comme d'accord. S'il se déplaçait dans une sorte de bulle de savon. D'accord, et il vient d'où? Septième dimension. Il a une plateforme quelque part, une planète ou autre? Il se déplace entre les systèmes solaires, entre les galaxies. Il y a une sorte de base qui est une planète, mais ce n'est pas une planète Terre, c'est gazeux. C'est-à-dire que quand il se déplace dans cette sorte de, que j'ai appelé de bulle de savon, c'est comme s'il il rentre, il vient s'intégrer dans cette planète-là, comme venir s'intégrer dans une sorte de bulle de savon beaucoup plus vaste. Elle se situe donc, où, cette planète? Cette planète, c'est comme une bulle de savon immense qui est constituée dans sa structure d'une multiplicité de bulles plus petites, mais ça ressemble vraiment à des bulles de savon irisées transparentes, et qui elles-mêmes ont chacune une conscience. Donc plus il y a de conscience agglomérée là, en quelque sorte, qui plus la planète grossit, grandit. Elle se situe où, cette planète? C'est à la frontière de notre univers. Elle est quasiment collée à la frontière. D'accord. Alors, c'est quoi sa fonction? Qu'est-ce qu'il fait de planer comme ça, d'univers à univers, de système à système? Il y a quelque chose de... En fait, cette planète, il y a quelque chose de dérangeant dans la circulation des énergies dans l'univers qui sont lourdes et dissonantes et qui viennent déranger, voire même mettre en péril... la structure de cette planète-là.
parce que cette planète-là est dans un objectif d'expansion, c'est-à-dire de se séparer pour créer d'autres planètes qui sont constituées de la même façon. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a quand elle devient trop grosse, il y a une nécessité de se séparer, d'essaimer pour mettre en place d'autres planètes qui ont cette même structure avec ce même type d'être. Mais ce déploiement ou ce développement ou cet essaimage est gêné par ces énergies lourdes et dissonantes qui traversent l'univers. Et de quelles énergies tu penses, tu parles alors? C'est des énergies de guerre, de lutte de territoire. Il y a comme une sorte de, on va dire, de lutte entre le bien et le mal, du sombre contre le clair. Et c'est comme s'il y avait un resserrement, une sorte de crispation, quelque chose qui est plus rapide, une tension. Il y a quelque chose qui se noue avec la nécessité de dénouer ces énergies. Et cette nécessité-là, c'est quelque chose, c'est à la fois extérieur à eux, je veux dire à ce peuple-là, et en même temps, ça les empêche de se déployer. Donc pour se déployer eux-mêmes, il y a comme des bulles comme ça qui partent dans l'univers pour aller sur place, rééquilibrer les énergies et les alléger. D'accord, mais de quelle manière compte-il s'y prendre alors? Par leur propre présence, c'est toujours ce même système de bulles. Quand il y a plusieurs bulles vaisseaux qui sont installées dans un endroit et qu'elles deviennent majoritaires, ça vient comme calmer le jeu et élever les fréquences et les stabiliser. D'accord. Donc régulièrement, il y a comme des sortes d'expéditions qui partent dans un coin ou dans un autre de l'univers pour rehausser les énergies et les équilibrer. Par simple présence, donc ils amènent leur fréquence en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Et D'accord. plus il y en a, plus c'est efficace, puisqu'il y a une synergie qui se met en place, l'énergie circule entre les différentes consciences qui sont chacune dans leur vaisseau bulle. Mais alors pour équilibrer tout un univers ou même un système Oui. solaire, il faut qu'ils soient nombreux. C'est un vaste programme. Oui, il y a donc des expéditions qui vont sur une cible précise et dans une zone précise, ou plus exactement un espace-temps précis, pour rééquilibrer. Et ensuite, ils reviennent à leur base. C'est comme une sorte de. L'analogie, ça pourrait être un point d'acupuncture. C'est comme s'il y avait Il cherche le fait un de point se. névralgique pour C'est le ça. transmuter, c'est ça? C'est ça. Et de ce point névralgique-là rééquilibré, tout comme un point d'acupuncture, aussi petit soit-il, va rééquilibrer tout un système énergétique dans le corps, eh bien là, c'est la même chose, mais à l'échelle de l'univers. Intéressant. Bien. Sauf Alors, que qu'est-ce que... quelquefois ça fonctionne et quelquefois ça ne fonctionne pas et ils sont balayés et ça se retourne contre eux et ils sont dispersés. Tout dépend des Et forces en présence, c'est ça? c'est ça. Et ça dépend aussi de l'évaluation qui est faite avant. Des forces en présence, on va dire du nombre envoyé et on va dire du travail à effectuer sur ce point névralgique-là, précisément.
Donc Donc tout en fait, dépend s'ils de... font une mauvaise évaluation, ils viennent en sous-nombre et du coup, ils sont balayés, c'est ça en gros? Exactement. Bien. Alors qu'est-ce qui se passe pour celui qui est Christophe aujourd'hui pour qu'il se retrouve en incarnation sur Terre à partir de cette forme d'existence? Parce qu'il s'est retrouvé en action sur un point névralgique qui est donc dans notre système solaire, à proximité de la Terre. Et là, il y a eu une évaluation décalée par rapport à la situation énergétique. Et là, il y a eu dispersion de son... Je ne sais pas si on peut appeler ça escadron, parce qu'il y a, ça n'est pas militaire. Hein. C'est plutôt groupe de rééquilibrage de ce point-là. Donc il y a eu dispersion et destruction. Donc certains ont été récupérés. D'autres ont réussi à retourner à leur base et d'autres sont partis se réfugier dans l'énergie d'autres planètes environnantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Christophe? Lui est venu dans l'intention de se réfugier vers la Terre. Mais il y a eu cette sorte de choc. Un choc magnétique puissant, il a été comme avalé, phagocyté, avalé, comme un insecte sur une toile d'araignée qui se fait capter, immobiliser et vider de sa substance et récupérer, reconditionner dans les roues d'incarnation humaine. D'accord. La première incarnation qu'il a sur Terre en 3D, c'est en tant qu'humain ou pas? Oui. Bien. Alors, reviens ici maintenant. Oui. Si tu le scannes encore, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues? Pas pour l'instant. Ok. Alors, donc identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de Christophe. Et dis-moi si tout son ADN appartient à son essence. Oui. Très bien. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, on va pouvoir convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois. Et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ce Varan, qui vois-tu d'autre? C'est pas réellement un varan, je sais. Oui, donc, on va l'appeler ma part pour simplifier, hein. On a bien compris que c'est des espèces hybrides qui. Voilà, c'est des équivalents, quoi. Il y a des entités démoniaques qui rôdent autour de lui et qui sont là en attente, aux aguets, qui entrent et qui sortent de son espace énergétique quand il y a des ouvertures. Elles s'y glissent. Elles viennent le décaler sur ses bases. Elles viennent se servir en énergie et elles repartent. D'accord. Et puis il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Est-ce que tu vois des parasites à l'intérieur, sur et autour de lui? Non. Bien. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils rompent tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps, et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archiavélique.
tout dispositif est vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Nous plaçons Christophe dans une bulle critique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur du Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend de l'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est au-delà de toute forme, en essence, et le ressent pleinement. Oui. Comment le vois-tu ? C'est beaucoup plus clair et léger dans son espace énergétique. Ça s'est stabilisé aussi. Bien, maintenant, je veux que tu regardes comment réagit cette entité au vu de ce que nous sommes en train de faire. Ça a créé un déséquilibre. Il apparaît maintenant, tu sais, comme ces lumières stroboscopiques, ça fait comme des sortes d'éclairs où il apparaît et il disparaît, et à chaque fois de façon différente. C'est venu déséquilibrer sa façon de fonctionner. Et oui, il est plus stabilisé. Mmh. Très bien. Donc du coup, il clignote, c'est ça ? Oui. Alors, est-ce que tu vois qu'il prend des dispositions sur des lignes temporelles ou autres ? Voilà, pour ce qu'on appelle le futur. Il se raccroche à tout ce qu'il peut. Donc, il se raccroche à plusieurs lignes de temps. Il se raccroche à plusieurs, on dirait des fils électriques. C'est plusieurs lignes. C'est plusieurs lignes d'énergie. Tout ce qui peut passer à sa portée, il tente de s'en saisir pour venir bloquer la situation et bloquer sa, on va dire, sa base humaine. Alors, on va tout bloquer, nous, à notre tour. Donc, on le fige. 1, 2, 3. On fige tout. Oui. Voilà. Donc, est-ce que tu vois qu'il est intervenu dans notre bulle de création, à toi et à moi ? Il y a des tentatives, oui. Il n'a pas réussi complètement, mais il y a des tentatives. Donc, on va en tenir compte. Voilà. Et en ce qui concerne donc Christophe, il est intervenu sur combien de lignes de temps ? 5. 5. Très bien. Est-ce qu'il est intervenu dans d'autres domaines ? Non. Parfait. Alors, on ouvre un grand portail dimensionnel et on vire tout. Allez, 1, 2 et 3. Ah oui. Tu le fermes derrière lui et tu effaces donc le portail. C'est fait. Maintenant, vérifie dans nos bulles de création, à toi et à moi. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose ? Non, il n'y a plus rien. Et en ce qui concerne Christophe, scanne-le et regarde s'il reste quelque chose. Il n'y a plus rien, il reste simplement des échos et des résonances, mais à l'extérieur. Bien, alors on les élimine depuis leur propre source. 1, 2 et 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Bien, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan moronciel en observation. Bien, comment tu vois son âme ? Elle est en retrait. Elle se tient le plus immobile possible dans l'objectif de ne pas être repérée, cernée, pour tenter de garder un espace de liberté. Et sa partie subliminale ? Elle est en arrière-plan. Elle aussi se tient immobile, comme si elle tentait de diminuer sa présence, elle tente de se rendre invisible. Oui, pas bouger, pas faire de vagues, quoi.
Très bien. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan mouvementiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite et à l'amour qu'il est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2 et 3. Oui. De cet espace mouvementiel, pour la partie qui y réside, je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Christophe pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite et à l'amour qu'il est. Est-ce que c'est bon pour lui? Oui. Alors, nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Christophe. C'est rayonner de toute son énergie, équilibrer tout son espace intérieur et extérieur, au sein même de l'incarnation humaine en 3D. C'est faire rayonner son énergie et sa puissance. Très bien. Alors, quel moment choisit-il pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là? 98%. 98%. Bien. Donc, tu l'invites à monter à 100%? Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, je veux que tu vois son arbre généalogique et que tu m'indiques toutes les anomalies que tu y vois. Il y a une sorte de grillage autour de l'arbre généalogique. Hein. De grillage assez large. Mais là où il y a les barreaux, ça vient appuyer et vibrer de façon dissonante sur les consciences qui se trouvent placées là. D'accord. Qu'est-ce que ça crée comme problème à ces consciences? Ça crée des vulnérabilités énergétiques, psychiques et physiques. Ça dépend des consciences, ça dépend comment elles sont positionnées par rapport au fil ou au barreau de ce grillage. Alors, regarde spécifiquement Christophe, comment ça l'impacte? Ça crée comme une sorte de... C'est comme si ça le décalait. Ça le décale par rapport à ses propres énergies. Ça l'oblige à compenser. Ça crée une vulnérabilité énergétique. Très bien. On va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Alors, tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière, là? 42. 42 générations. Est-ce que c'est lui qui a choisi cette lignée pour son dernière incarnation ou pas? Il y a été poussé par l'entité, par facilité de contrôle. D'accord. C'est la première fois qu'il va sur cette lignée ou il y en a eu d'autres? Sur celle-ci, c'est la première fois. Ok. Alors, nous sommes 42 générations en arrière. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a cette sorte de maillage qui vient s'abattre sur la lignée au sortir des roues d'incarnation. Et qui est derrière tout ça? Les entités qui gèrent le fonctionnement des roues d'incarnation, c'est des entités démoniaques. D'accord. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cette lignée est parfaitement libre, cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu t'approches de lui à ce moment-là, tu lui montres ce qui pourrait s'en suivre si bien sûr rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Une montée en fréquence haute et puissante,
qui le fait changer d'espace-temps et qui le met hors de la portée de la perception de ces entités. Bien. Alors, de notre côté, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il y a l'énergie qui circule maintenant de façon haute, fluide, claire et légère. Alors regarde comment ça impacte Christophe ici et maintenant. C'est comme si l'espace s'ouvre autour de lui, l'espace énergétique s'ouvre autour de lui. Il n'y a plus cette sorte de, on va dire, de couvercle anxiogène ou de menace en arrière-plan. Maintenant, la voie est libre, tout est clair et léger. Alors à présent, tu l'invites à enrôler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et pour accélérer le processus d'intégration de ce qu'il a fait sur le plan physique, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Demande à présent ce qu'il veut faire avec son arbre. Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le coupe à 24% et pour la partie restante, il réinforme et réorganise. Ok, dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. Alors, à présent, on va regarder son ADN. Que choisit-il de faire? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Alors, on élimine l'ancien avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Ah oui. Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu comptes d'hélices présentes? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 6 connectés et 4 d'activés. Est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça vient renforcer sa base énergétique. Ça lui apporte de la force et des capacités d'adaptabilité. C'est bon. Alors, on va s'occuper maintenant des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de séparation, dualité, limitation, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expansion, la manifestation humaine et toutes ces autres parties. Est-ce qu'il est OK avec ça? Oui. Alors, on y va. On élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Il les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. À présent, il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Maintenant, il remonte à l'une de temps, juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 83%. Donc, il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, et bien sûr, l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait.
et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, toutes bulles de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et afin que tout puisse s'intégrer assez rapidement, on va donc baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les informations et les énergies sur le plan physique. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Voilà. Donc, je vais conseiller à Christophe d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo, comme d'habitude, à profiter de cette séance pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Nous allons éliminer toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Je te laisse vérifier s'il y a des copies ou des petits de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors, nous intégrons tout cela dans les différents états de conscience. Oui. Il déclare « Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. » Oui. Il rajoute « J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. » Oui. Nous allons à présent aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Christophe, tout y est proposé. Il fera lui-même le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, d'équilibre, d'abondance, de créativité, d'amour, etc., etc. Oui. Alors, je poursuis sur ce que nous étions tout à l'heure. Donc, il déclare, je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, d'équilibre, d'abondance, de créativité, d'amour, etc., etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée, car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Et je sais que la vie est un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, il déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Nous allons à présent effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il estime juste et bon pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïviques ou tout autre moyen de le repérer.
Non, il n'y en a pas. Alors il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Il crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Il demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors, bien sûr, de ses propres champs naturels. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Installation de programmes anti-ondes des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature et l'origine. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et enfin, un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. C'est fait. Tout en étant adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double lémniscate activé. Oui. Et maintenant, il crée son code de vie et l'active également. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Nous travaillons à présent sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Ah, on va le laisser terminer. La chanson quotidienne. Il nous fait un petit cauchemar. Et bien voilà, c'est bon pour toi. Oui. Donc je reprends au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui.
À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, il déploie une onde tourbillonnante, puissante, bleue et dorée, qui s'expanse, qui vient englober tout son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Il vient se placer au centre. Là, il déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres, c'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source jusqu'au chakra coronal. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille dans le détail pour chacun et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes, immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général, Oui. système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycles vitaux organiques et systémiques. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé et pérennisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel il vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Donc ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Micro-kiné.
Il vient actionner les points de correspondance et ça vient de déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Il vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double les mniscates activés. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 8 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Nous allons maintenant harmoniser et équilibrer les 5 éléments. Et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et à présent, le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et les manifestations du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste, qui, je le rappelle, concerne l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Donc, on va commencer par la biologie et tous ses corps. Donc, je t'invite à faire l'inventaire de toutes les blessures, les traumatismes, les programmes, les habitudes de fonctionnement, etc., etc., jusqu'aux échos et résonances. Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacune des parties concernées soit réinformée et stabilisée. Oui. Connecté au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité par son élémental. Oui. Un équilibrage général. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. À présent, je t'invite à regarder son système neuronal et nerveux central. Comment les vois-tu? Il y a une vulnérabilité qui reste là, une sorte de fragilité. C'est dû à des restes de mémoire traumatique qui ont laissé des empreintes avec écho et résonance. Ok. Alors, je suppose que des mémoires traumatiques, il n'y en a pas que là? Non. Alors, je vais te laisser faire l'inventaire de partout où tu les trouves. Et quand tu es prête, on élimine tout. Oui. Alors, avec trace, mémoire, empreinte, etc. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non. Les échos, les résonances font partie avec, hein, je suppose. Oui. Bien. Alors, que vois-tu maintenant si on revient sur le système neuronal et nerveux central spécifiquement? Que vois-tu? Est-ce qu'il y a des reconnexions à faire? Oui, des reconnexions, des réinformations. Donc, on commence par les reconnexions. Oui. Et réinformations. Oui. Rééquilibrage. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Allons-y. C'est fait. Vois-tu d'autres choses à faire?
Non. Bien, regarde la relation du cerveau droit et gauche. Là, il y a des connexions et des rééquilibrages à faire. Allons-y pour les connexions. Oui. Le rééquilibrage. Oui. Autre chose? C'est bon. Bien, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. On va regarder son système endocrinien et le système immunitaire. Oui, l'énergie y passe de façon irrégulière. Donc il y a des stabilisations à faire, des équilibrages, des réinformations et équilibrages. Rien à éliminer? Ça a été fait déjà. D'accord. Alors, allons-y pour les réinformations. Oui. Les rééquilibrages. Oui. Et quoi d'autre? Un apport d'énergie vitale pour stabiliser. Allons-y. C'est fait. Autre chose encore? Non. Bien. Alors, pendant que la glande pinéale est en train de métaboliser, je veux que tu regardes sa production de valentonine, qui, je le rappelle, contribue au cycle, tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et bien sûr à l'auto-guérison. Alors, à combien, quel pourcentage vois-tu sa production maintenant? 47%. Donc, tu vas la programmer pour 100%, tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà, et comme nous en sommes donc au sommeil, donc il a des difficultés d'endormissement. Regarde à quoi est-ce que c'est dû. Au déséquilibre de la glande pinéale. Donc est-ce que tu vois que maintenant c'est rétabli? Est-ce que tu vois que on a fait ce qu'il faut? Oui, maintenant c'est équilibré. Très bien. Alors, je veux que tu regardes ces systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques, énergétiques. Ils sont désynchronisés les uns par rapport aux autres. Mais avant de les resynchroniser, il faut les équilibrer chacun d'entre eux. Il y a des réinformations, des rééquilibrages à faire. Alors, on commence par la circulation sanguine. Donc, allons-y pour les réinformations. Oui. Rééquilibrage. Oui. Système lymphatique. Réinformation, rééquilibrage. Oui. Donc les circulations énergétiques des méridiens. Réinformation et rééquilibrage. Oui. Et à présent, tu synchronises le tout. C'est fait. On peut envoyer de la force vitale pour chacun? Oui. Allons-y. C'est fait. Tu vois autre chose à faire? C'est bon. Bien. Regarde ton système digestif et métabolique. Là, il y a des zones de creux. Il y a des irrégularités dans la circulation de l'énergie. Donc, il faut équilibrer et faire un apport d'énergie vitale. Est-ce qu'il y a à réinformer avant ou pas? Oui, il y a des zones à réinformer. Allons-y pour les réinformations. Oui. Donc on rééquilibre. Oui. L'apport d'énergie vitale. Oui. Tu vois autre chose? Non, c'est bon. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Système d'élimination, émonctoire, etc. Il y a quelques équilibrages aussi à faire avec un apport d'énergie vitale. Allons-y pour l'équilibrage. Oui. Et l'apport d'énergie vitale. Oui, c'est fait. Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Alors maintenant, parmi ces points, donc il a des glaires qui tombent dans la gorge depuis longtemps. Il a eu une opération. Voilà. Et sa narine droite qui se bouche. Regarde ce qui se passe. Déjà pour l'éclair. C'est un des points d'accroche, mais toute la sphère ORL, c'est un des points d'accroche de l'entité. Très bien.
Donc, on traite toute la sphère ORL et visuelle en même temps. Oui. Est-ce que tu vois des choses à éliminer ou est-ce que tout a été enlevé? Non, il n'y a plus rien maintenant. Alors, qu'est-ce que tu vois que nous pouvons faire là, maintenant? Réinformation, reconnexion et rééquilibrage. Allons-y pour les réinformations. Oui. Les reconnexions. Oui. Les rééquilibrages. Oui. Voilà. Tu vois autre chose à faire? Non, c'est bon. Bien. Alors, regarde maintenant si tu vois des raisons pour que l'éclair continue à tomber, à s'écouler. Non. Bien. Qu'est-ce qui fait que la narine droite était toujours bouchée? Ça vient du fait du déséquilibre de toute cette sphère-là. Il y avait ce côté-là qui était plus compressé que l'autre. Alors, est-ce que tu vois que tout est régularisé maintenant? Maintenant, oui. Très bien. Alors, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Douleur lombaire, donc chronique. Alors, bon, c'est l'autre partie où il y avait l'autre patte, c'est ça? Oui. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose maintenant? Il y a un équilibrage énergétique à faire sur toute la zone. Allons-y. C'est fait. Pas de réinformation? Si, il y a quelques zones à réinformer. C'est fait. Apport d'énergie? Oui. Allons-y également. C'est fait. Autre chose? Non, c'est bon. Alors, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Alors, le fait qu'il y ait des hémorroïdes par période, d'où ça vient? Ça vient du système sanguin, de la faiblesse et de l'irrégularité de la circulation d'énergie dans ce système-là. Mais ça a été régularisé tout à l'heure. Très bien. On peut travailler sur la tonicité des veines éventuellement, du système veineux? Oui. Et artériel pendant qu'on y est? Oui, faire un apport d'énergie vitale spécifique, tonifiante et équilibrante. Allons-y. C'est fait. Voilà. Et peut-être y mettre un baume apaisant éventuellement en cas de crise? Oui. Allons-y également. C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Donc, il est hypersensible, hyperémotif, il se laisse facilement perturber par l'entourage, il est comme une éponge. Regarde ce qui se passait. C'est directement lié au déséquilibre énergétique. Alors, pour une partie mise en place lui-même, pour donner le moins d'emprise possible à l'entité interférente, et d'autre part, en raison de l'appui et de la pression de cette entité interférente-là. Bien. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Oui, il reste des habitudes de fonctionnement, avec des mémoires traumatiques, écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu vois qu'il est nécessaire de faire? Est-ce qu'il y a des réinformations, par exemple? Oui, des réinformations, des rééquilibrages et un apport d'énergie vitale. Allons-y pour les réinformations. Oui. Rééquilibrage. Oui. Apport d'énergie vitale. Oui. Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Bien. Alors, par rapport à ces polarités masculin-féminin, bon. Donc, sa jambe gauche est moins musclée que la droite, par exemple. Le côté droit a toujours des problèmes. Donc, ça, c'est des équilibres que tu as vu tout à l'heure. Oui, c'est ce qui est dit. Est-ce que tu vois d'autres causes ou pas? Non. D'accord. Alors, est-ce que tu vois que maintenant, tout est rééquilibré? Oui, maintenant, tout est rééquilibré. Très bien. Donc, ces projets sont bloqués, notamment son projet d'écriture, de déménagement. À quoi est-ce que c'est dû, ces blocages?
C'est comme s'il s'était limité lui-même pour ne pas donner prise, pour ne pas que ses projets soient interférés à leur tour. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu vois que maintenant il a lâché prise avec ça? Est-ce qu'il a compris que il peut pleinement s'y investir en toute sécurité? Maintenant, oui. Très bien. Donc, il installera les programmations tout à l'heure pour s'ouvrir au champ du tout possible. Ou il peut les Oui. installer maintenant, On peut d'ailleurs. les installer. Il peut les installer maintenant. Allons-y. C'est fait. Voilà. Et qu'il prenne conscience de sa connexion avec la source pour faire redescendre l'énergie de créativité, de confiance, de certitude. Oui. Ressentir cette énergie où tout est possible, tout est réalisable. Oui. Il installe le programme selon lequel tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement, dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Voilà. C'est ce qui s'appelle la magie de la 5D. C'est bon. Parfait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien, et puis pareil pour les rencontres amoureuses, enfin tout ce qu'il souhaite. Hein. On est d'accord que c'est pour tout. Voilà, il le mettra dans sa boîte à souhaits tout à l'heure d'ailleurs, en fin de séance. Il y mettra tout ce qu'il veut. Bien. Alors donc par rapport à ses enfants et son ex-compagne, est-ce que tu vois qu'il y a des blocages, animosité ou autre? Il y a des liens, c'est des liens toxiques qui le relient à des situations et qui le relient encore à elle. Bien, bon, on va en profiter pour tous les faire maintenant. Alors je t'invite à faire l'inventaire de tous les liens toxiques, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Donc on coupe tous les liens et on dissout les racines. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu en vois d'autres derrière, en arrière-plan? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. Est-ce que tu en vois d'autres? Non. Parfait. Bon, après, ils seront invités pour faire la séance tout à l'heure. Hein. Donc, j'aimerais que tu regardes son corps mental et que tu vois toutes les programmations limitantes et les croyances qu'il a développées à partir de ça. Il y a comme des sortes de programmation, comme des œillères dans le corps mental. Mais c'est des programmations même qu'il a installées lui-même pour brouiller les pistes, pour se protéger, sauf que ça vient le limiter lui-même. Ça le maintient dans un couloir étroit de fonctionnement, celui sur lequel il s'autorise à avancer. Et toutes ces programmations-là sont comme des protections, sauf qu'elles sont, en fait, ça se retourne contre lui puisqu'elles sont limitantes et occultantes. Quelles sont les règles et les croyances qu'il développait à partir de ça? Y a les croyances que s'il dépasse ces programmations-là, il se met en danger. Et puis, de plus, maintenant qu'elles sont installées, elles sont devenues, il n'a plus le contrôle dessus, c'est-à-dire qu'elles sont devenues solides, fortes et puissantes, et il a du mal, à moins de déployer beaucoup d'efforts pour les surmonter et passer par-dessus. Bien, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'en pensent maintenant ces autres parties, avec tout ce qu'elles ont vu, compris, entendu, intégré? Ça n'est plus nécessaire maintenant. Il peut dégager ces programmations-là, les dégager de sa réalité, ce qui lui permettra de se déployer. Bien, et c'est ce qu'il fait maintenant. Oui. Alors, regarde ce qui reste de tout cela. Il reste des habitudes de fonctionnement, des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2 et 3. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne la personnalité, pour les habitudes de fonctionnement, et il a toutes les informations. Et donc, dans son quotidien, il pourra être dans cette vigilance tranquille pour changer certaines habitudes, les remettre en question et en choisir de meilleures, plus productives, comme on dit. Oui.
Alors maintenant, je veux que tu reviennes sur l'ancienne ligne de temps et que tu regardes son corps émotionnel et toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Il y a une sorte de repli, le corps émotionnel est replié sur lui-même comme pour se mettre en protection. Donc ça vient générer une certaine confusion dans les émotions, dans les sentiments, dans les ressentis, dans lesquels il a du mal à faire du tri. Donc ça, il y a de la peur et de la tristesse en arrière-plan, une anxiété généralisée. Il y a de la frustration aussi, avec une colère qui se retombe contre lui, et de la culpabilité de ne pas arriver à ses objectifs, mais en raison des barrières qu'il a fixées lui-même. Donc ça génère une basse estime de lui-même, faible estime de lui-même, et grande perte d'énergie aussi. C'est bon. Bien. On va regarder à présent du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez lui et comment s'expriment-elles ? Donc, comme évoqué tout à l'heure, il y a la trahison, mais par rapport à lui-même, qui génère donc cette culpabilité qui est là comme un poids, comme une sorte de cloche la lourde au-dessus de lui qui l'empêche de se déployer. Ça vient freiner ses énergies, les alourdir et le placer dans des basses fréquences. Il y a cette sensation d'être seul et abandonné dans l'incarnation, avec la sensation d'injustice d'être là dans ces conditions d'incarnation. Et l'humiliation aussi de ne pas arriver à être en contact complet et efficace avec ses propres capacités, sa propre puissance intérieure. Il se ressent coupé de lui-même alors qu'il y a ce sentiment, cette sensation qu'il pourrait être beaucoup plus, faire beaucoup plus, être beaucoup plus que ce qu'il est dans l'incarnation, comme s'il fonctionnait seulement à quelque chose à 20 ou 25%, pas plus, de ses capacités. Pour fonctionner dans l'incarnation, il a mis en place un système de fonctionnement. Donc il y a toute cette protection autour déployée, comme une sorte de bouclier arrondi, tout autour de lui, qui lui donne la sensation d'être protégé, mais qui en même temps vient le couper de ses propres capacités, de ses propres ressources intérieures. Et au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, il y a comme une sorte d'oubli de son fonctionnement initial et de ses capacités initiales, naturelles. Donc c'est comme s'il s'éloignait de lui-même, dans l'oubli de ses propres capacités au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. C'est bon. Bien. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Toujours sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose ? Oui, il reste des habitudes de fonctionnement avec des empreintes traumatiques, échos et résonances. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. À présent, toujours sur cette nouvelle ligne de temps, je veux qu'il prenne conscience de sa connexion avec la source par son intention et par l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque. Et donc, il en ressent toutes les connexions, les sensations, les sentiments, les émotions, etc. Oui. Et chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Et chacune des particules de son corps à l'intérieur, sur et autour de lui également. Oui. Comment vois-tu, Christophe ? Il y a un espace de sécurité et de bien-être intérieur qui s'est déployé à l'intérieur de lui.
Ça lui apporte une sensation de bien-être, de joie, de complétude et de plaisir d'être là dans l'instant présent et dans l'incarnation. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et il installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est là en permanence. Oui. Et il va installer cette programmation dans sa bulle de réalité, dans chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amicales, amoureuses, matérielles, financières, tout ce qui constitue en fait le tissu de son existence en tant qu'humain. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Je veux que nous partions maintenant de la source. Je veux savoir comment il vit cet événement que nous appelons communément la séparation. Comment il le vit lui-même maintenant avec cette nouvelle compréhension et dans cette nouvelle conscience et énergie. Il garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présent en lui la mémoire de ce qu'il est, de son essence divine. Quelles que soient ses manifestations lui-même, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Et je vous rappelle que la mémoire de ce qu'il est, bien sûr, c'est sa nature divine, indestructible, éternelle, infinie, toute puissante, pour qui tout est possible et qui mérite le meilleur. Oui. Que ressent-il au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et même de cette existence en tant que Christophe? Il y a de l'intérêt, il y a de la pétillance, il y a de la curiosité devant toutes ces situations qui se présentent là devant lui, toutes ces situations d'expérimentation. Il y a de la joie d'anticipation, l'envie de participer, le plaisir d'anticipation qui est là. Alors qu'il prenne là aussi le temps de le ressentir pleinement, de le savourer, de l'apprécier. Oui. Il le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Il ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Okay. Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre parfait et une harmonie parfaite, et bien sûr l'amour qu'il est. Oui. Il ressent ce sentiment de légitimité. Oui. Celui d'être à sa juste place partout où il se trouve et quoi qu'il fasse, tout en le ressentant et en prenant du plaisir. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quels que soient les choix faits, quels que soient les résultats, dans les passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a sa fonction utile, que tout a une valeur d'apprentissage. Oui. Que nous appelons, que ce soit le négatif ou même les erreurs, il sait que tout est utile. Oui. À présent, il passe par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source et chacune d'elles se réinforme de cette nouvelle conscience, de cette énergie, de cet état d'être. Oui. Il revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Comment vois-tu Christophe à présent? Il y a son énergie qui est là, puissante, claire, lumineuse. Sa flamme intérieure qui grandit, qui s'expanse. Il en ressent de la satisfaction, de la joie et du plaisir. Ça lui apporte le plaisir d'être là, à vivre cette expérience de l'incarnation. C'est bon. Bien, alors ça va être le moment des invitations. Donc, il a nommé, bien sûr, donc ses enfants avec leur mère. Oui. Ses parents, sa sœur, plus sa famille en général, donc ses amis de cœur
et celui qu'il appelle son frère d'âme. Et on va dire ceux à qui il pense en ce moment. Oui. Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de profiter de cette opportunité. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Accepte-t-il un petit coup de pouce avant de commencer? Oui. Alors, puisque j'ai leur accord et leur consentement, en leur nom, je vais pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience et tous les plis et replis des espaces-temps, et enfin tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout ce qui a été vu tout disparaît totalement. 1, 2, 3, pour chacun. Oui. Chacun se place dans une bulle christique de protection, secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Christophe pour lui-même, adapté, bien sûr, chacun à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Bien. À présent, on va regarder du côté des désincarnés. Tout le monde s'est mis à l'œuvre, je suppose. Oui. Alors, il a nommé ses deux grand-mères, donc maternelle et paternelle. Donc, on va commencer par la grand-mère maternelle. J'aimerais savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est dans le moyen astral, elle est dans une sorte d'espace, de sphère, de création. C'est comme une sorte de refuge qu'elle s'est créé, une sorte de refuge temporaire. Bien, tu peux l'identifier, regarder son ADN éthérique et me confirmer qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Alors tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut un coup de main. Oui. Alors nous la connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle? Il y a une montée en fréquence qui lui permet de dissiper cette sphère de réalité qu'elle avait créée et qui est inutile maintenant. Elle flotte avec légèreté maintenant au-dessus de l'espace où elle se trouvait. Demandez ce qu'elle veut faire à présent, est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté, souveraineté et sécurité? Elle remonte à la source. Alors dis-lui que pour pouvoir en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, en se libérant totalement et en libérant tout et tous. Oui. Voilà. Avant de remonter, demande-lui si elle veut s'exprimer, dire quelque chose à Christophe et à tous ceux qu'elle a aimés sur le plan terrestre. Il y a l'énergie du remerciement qui est là, du soulagement aussi, portée par une onde d'amour universel qui redescend, qui traverse tous les plans, qui redescend vers le plan terrestre et qui vient toucher chaque conscience qu'elle a connue sur le plan terrestre. Et puis elle remonte. Eh bien, la saluons. Ah oui. C'est bon. Alors à présent, on va regarder la grand-mère paternelle. Alors pareil, sur quel plan, dans quelle situation? Elle est en déplacement
d'une couche à l'autre. L'image qui vient, c'est, tu sais, ces escalators où tu as l'impression de faire du surplace, tu marches sur l'escalator, mais tu restes immobile. C'est comme si elle était engluée sur une sorte de plan. Elle dépense de l'énergie pour s'en dégager, mais ça monte légèrement et puis ça revient à l'endroit où elle était. Très bien. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Donc là aussi, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et qui nous envoie, et demande-lui si elle veut un coup de main. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il à présent? Il y a une montée en fréquence qui lui permet de se stabiliser. Donc ça arrête cette sorte d'énergie qui tourne là dans le vide, et, qui est assez anxiogène parce que ça tourne, mais en même temps ça a plutôt tendance à descendre plutôt qu'à monter. Donc elle est au-dessus, ça s'est arrêté, cette sorte de mouvement-là. Elle est au-dessus, dans la zone juste au-dessus. Alors, demande-lui ce qu'elle veut faire à présent, est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté, sécurité et souveraineté. Monte à la source. Alors, dis-lui également qu'il est nécessaire, pour être en profiter encore plus, de récupérer toutes les énergies laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et elle libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, demande-lui si elle veut s'exprimer, dire quelque chose à Christophe et à tous ceux qu'elle a aimés sur le plan terrestre. Elle baigne en quelque sorte dans toute cette énergie d'amour universel puissante dont elle en prend comme plusieurs parties qu'elle envoie directement vers le plan physique. Cette énergie-là d'amour universel, elle est remplie d'informations du plan où elle se trouve et de son expérience. Et ça, elle l'envoie vers les consciences incarnées, comme une sorte de plan ou d'ensemble d'éléments d'information qui vont directement auprès des consciences visées. Bien, on va en profiter pour lui demander quelque chose. De son point de vue, où elle est maintenant, comment est-ce qu'elle voit l'incarnation qu'elle a eue sur Terre et tous les enjeux? Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas plus d'enjeu qu'un rêve. C'est un rêve. C'est une expérience qui a simplement l'enjeu d'une expérience supplémentaire. Mais en réalité, il n'y a pas d'enjeu en tant que tel. Ça vient entrer dans une boucle d'expérimentation beaucoup plus vaste et puissante. Le plan terrestre lui paraît loin maintenant, loin et brumeux. Elle reconnaît simplement les consciences qu'elle a connues sur ce plan-là, et même celles qu'elle a croisées après sa désincarnation. Le message, c'est simplement vivre l'instant présent, parce qu'il ne se représentera pas. C'est cueillir l'essence de chaque instant, parce que chaque instant est une expérience complète et entière en tant que telle. Et en même temps, on l'appelle présent parce que c'est un cadeau. Oui. Et ça vient s'intégrer dans la globalité de cette expérience plus large et plus puissante. C'est un élément parmi d'autres dont il est important de saisir la saveur de chaque instant.
et en quoi c'est important? Parce que ça vient nourrir cette expérience plus vaste, ce champ d'expérimentation. Ça vient rajouter comme une touche, chaque instant vient rajouter comme une touche de couleur supplémentaire et essentielle sur un tableau d'expérience qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Et en quoi c'est important de nourrir et de rajouter ces couleurs? Eh bien, c'est comme un peintre qui peint un tableau. Chaque coup de pinceau est important. Chaque coup de pinceau apporte un plus à l'ensemble du tableau lui-même, à l'ensemble de l'œuvre elle-même. Alors chacun est un artiste de sa réalité? Oui. C'est comme ça que devrait être considérée l'existence humaine et autre? Oui. Bien. C'est bon. Eh bien, nous la saluons et nous la remercions. Merci. C'est bon. On revient à Christophe. Oui. Donc, nous avons fait tout à l'heure tous les liens toxiques. Maintenant, nous allons couper tous les liens de ces noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve que ce qui lui est utile. On coupe les liens et dissout les racines. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu en vois d'autres? Non. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes tenant les dons du sang, ou du sang prélevé et stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. De son espace moronciel, il récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre, qui est, je le rappelle, le point zéro, qu'il peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique, qu'il peut ressentir dès maintenant, et toi également. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer de cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Auto-guérison. Donc, pour toutes les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Pour chacune, il fait descendre énergie, information originelle et code. Oui. Installe l'arbre de création et active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Et maintenant, il crée son baume de vie régénérant et l'applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où il le juge nécessaire. C'est fait. Et enfin, sur son corps, comme un lifting. Oui.
le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, je veux que nous revenions sur son ADN, avec ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Il y en a 8 connectées et 6 activées. Il peut activer les deux autres ? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes ? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. C'est des programmes d'information, d'activation et de déploiement de nouvelles lignes énergétiques. Ça vient se placer dans tout son espace énergétique. C'est bon. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance ? Entre 9 et 14 mois. Entre 9 et 14, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels ? Oui, il y a des sensations de légèreté, de libération, de bien-être. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes ? Il y a des moments, il y a des phases dans la métabolisation où le mental égo est comme insécurisé. Donc, dans ces phases-là où les anciens repères ne sont plus là, disparaissent, et les nouveaux ne sont pas encore complètement installés, où le mental égo recrée ce qu'il connaît, il recrée les situations énergétiques antérieures, avec des sensations de lourdeur, de blocage, d'anxiété aussi. Bien. Alors, pour lui donner un coup de pouce, nous allons aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent. Il se sent rempli de cette énergie vitale qui pulse, qui est là à l'intérieur de lui, au centre de lui, qu'il ressent se déployer, s'expanser, s'ouvrir, monter. Il y a sa flamme vitale qui devient claire, lumineuse et puissante. Ça lui apporte de la satisfaction, une joie intérieure puissante et le plaisir d'être là dans l'expérience de l'incarnation. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, voire même de le déguster. Oui. Il le ramène ici et maintenant dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Oui. Et pour chacune de ces parties, ça devient le nouveau repère, la nouvelle référence, le connu, et même des habitudes qu'il peut programmer. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et en ce qui concerne la personnalité Christophe, donc il sait que la métabolisation comporte des avancées et des reculades. C'est un processus normal. Et lorsque, des moments, les choses paraîtront revenir en arrière, tu sauras que la bonne attitude, c'est d'être confiant, de savoir que le travail se fait. Et pour soutenir toutes les parties qui font le travail, tu peux leur envoyer également de la gratitude. Mmh, oui. Bien. À présent, je veux que tu regardes son domicile et que tu me dises comment tu le vois. Il y a des zones de stagnation d'énergie. Mmh. C'est dû à quoi ? C'est dû à sa situation d'interférence précédente. Quand l'énergie stagne, c'est comme s'il y avait une sorte d'arrêt sur image pour passer inaperçu. Bien, j'aimerais que tu regardes les sous-sols, que tu me dises si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Rien qui vienne l'impacter. Parfait, alors il va faire une puissante tornade, il va tout nettoyer sur tous les plans, y compris la mémoire des murs et tout ce que contient son appartement, les meubles, objets, etc. Il nettoie et purifie tout. Oui. Il installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double muscat activés, sécurisés. Oui. Sur son compteur général qui était à Linky, tu vas y faire un multicouche
que tu programmes. Oui. Par-dessus un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double de muscade activée, sécurisée. Oui. À présent, il va placer sur tous ses plafonds un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, paisible, régénérant, avec un son et un parfum qui se module. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Il remplit tout son espace de sa propre présence et de son énergie. Oui. Il le met dans une bulle de protection christique, or, diamant et bleu. Oui. Lui également. Oui. Et nous allons programmer les protections des différents états de conscience et sécuriser. C'est fait. Relier le début et la fin de la séance et on sécurise également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'attention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il met tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. Que ce soit les amours, que ce soit l'argent, que ce soit tous ses projets, il met tout dedans. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double de muscade activée. Oui. Autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. Oui. À présent, nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation et toute la séance, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, dans tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, dans les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Nous allons installer la programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, il le quitte en toute liberté, souveraineté et sécurité, qu'il décide de remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. C'est fait. Et enfin, pour que toute cette séance soit intègre le plus rapidement possible, enfin dans les rythmes raisonnables, on va donc baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les informations et les énergies sur le plan physique. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et nous allons demander au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. Est-ce qu'il a des conseils à lui donner ? Oui, c'est la partie physique qui active à volonté cette ligne de communication. Il suffit qu'elle fasse confiance en ses propres capacités et par l'intention qu'elle active son centrage et son alignement. Comment est-ce que tu vois son âme à présent ? Elle s'est déployée, allégée, éclaircie aussi. Elle a des couleurs vives et lumineuses maintenant. Elle est là, libre et légère. Et sa partie subliminale ? Elle s'est énergisée. Elle se déplace pour créer des canaux de communication et les activer entre elle et les différentes parties de lui. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement. Rien ni personne d'autre. Et dans cette nouvelle version de Christophe, en ce jour de renaissance pour lui. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors chacun est invité à trouver son portail et sa cascade.
Et sous ces taux de très haute fréquence, composés de sons, lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graines de vie et double les muscates activés. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Christophe avant la séance et quelle était la présent ? 57 et maintenant 178. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour ? Oui. Alors c'est parti. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu ? Bien. Bon, à nous Christophe, tu peux remettre le son. Voilà, nous t'écoutons. Ouais. Eh bien, ben, grand merci, hein. c'était super. Hein. Et j'ai eu pas mal de... J'ai eu quelques bons ressentis, un petit peu d'émotion à certains passages. Et très, très intéressant, hein, comme je le disais Pascal tout à l'heure, notamment sur mes origines. Là. Et puis, il y a pas mal de... Alors, j'aimerais dire une chose sur tes origines. Sache que quand on t'amène voir comme ça dans une boucle de manifestation, c'est une boucle parmi des infinis. C'est juste pour te donner une idée de comment ça se passe, des incarnations, ce qui peut, les genres de femmes que tu veux prendre avant, mais c'est pas qui tu es. Comme je dis toujours, on n'est pas la forme, d'accord, hein, d'accord. C'est juste une idée, c'est juste pour que tu aies une idée de comment, voilà, que le cursus d'une projection du soi supérieur dans une boucle de manifestation, d'une expression de soi, mais parmi des milliards et d'infinis autres, on va dire. D'accord. Hein, ce qui tu es toi, c'est la source. C'est conscience et énergie et rien d'autre. Ouais. Et oui, puis je suis très heureux maintenant d'être enfin libéré, surtout avec cette entité là. Ouais, c'est très impressionnant. Et... Ouais, mais bon, franchement super. Si vous allez super loin, en plus très très loin, c'est génial. En fait, notre Dieu avec nos compréhensions et nos compétences. Ouais, c'est voilà. Un très très gros travail et une question par rapport entre 9 et 14 mois, donc ça c'est... Alors comme je dis toujours, c'est plus ou moins suivant la qualité de tes compréhensions et de tes propres attitudes. D'accord. Par exemple, si durant la métabolisation, comme je dis souvent, il y a des apparents retours en arrière, si tu commences à perdre confiance, à douter, à avoir peur, effectivement tu vas ralentir les processus, hein, voire même certains en supprimer. Qui est, voilà, tu es complètement créateur de ta réalité. Par contre, si tu restes confiant, optimiste, même pas peur, même pas mal, et tu sais que la finale, elle est là, hein, c'est immanquable, ben à ce moment-là, ça va aller même plus vite. Ça sera même moins que 9 mois, tu vois. Hein. D'accord. C'est juste indicatif. Après, c'est toi qui crée la réalité. Ouais, je crois que c'est une notion vraiment essentielle. C'est important de le comprendre. Non, on est juste un petit vecteur, on amène des compréhensions, on permet des libérations, on refait des connexions, patati patala. Mais tout le reste, c'est toi qui le fais, quoi. Nous, on est juste une petite, petite étincelle dans ton existence éternelle et infinie. Et, voilà, c'est tout. Hein, c'est toi qui fais le reste. Ouais, c'est important d'en prendre conscience. Il y a plein de choses qui... regarder la vidéo certainement plusieurs fois. Mais... Oui, bah connais mon conseil. Hein. Donc, c'est vrai que l'information, c'est vraiment la première des clés. Hein. L'information, la connaissance, le savoir, c'est ce qui permet justement de prendre conscience des choses et ce qui permet les libérations et la reprise en main de qui on est. Tout passe par... Pourquoi il y a une guerre de l'information en ce moment, hein?
C'est justement, c'est à travers ça qu'on se fait manipuler. Hein. Tout ce qu'on nous cache, tout ce qu'on nous fait croire, tout ce qu'on nous... voilà. Eh bien, c'est ça. Quand tu sais, tu peux. Savoir, c'est pouvoir. Voilà. Ça, c'est... Hein? Bon, eh bien, écoute, j'espère qu'on aura des nouvelles, qui tu nous diras comment les choses se passent pour toi, que ce qui bouge, change, évolue, et même se résorbe. Hein? Avec plaisir, bien sûr. Alors, ta vidéo, on la publie comment? En clair ou en flouté? Bon, allez, on va le faire en clair. Génial. Bon, merci à toi, merci à Emmanuel. Merci beaucoup. Toute dernière question, la vidéo, elle sera disponible quand? On en parle après. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on va te souhaiter une très bonne métabolisation. Hein. On attend tes nouvelles quand tu veux, mais si tu veux. Voilà. Entendu. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir.